Salut à tous et salut à toutes, soyez les bienvenus sur ma chaîne, c'est Hugo05. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo semi-découverte, on va dire. C'est donc une vidéo semi-découverte du jeu Arena of Valor sur Nintendo Switch. Alors, Arena of Valor est un MOBA, voilà, comme League of Legends, sorti à la base, si je dis pas de bêtises, sur les plateformes mobiles, et il a eu son petit succès, hein, malgré la domination de du grand League of Legends. Mais voilà, donc ce jeu est donc sorti sur Nintendo Switch, donc c'est le premier MOBA à être sorti sur console, voilà, voilà, c'est un peu une première, hein, voilà, c'est d'habitude les MOBA ça se joue au point and click, mais celui-là on se dirige avec le stick, donc on dirige son personnage avec le stick, on attaque avec le bouton A et on utilise ses compétences spéciales avec les différents boutons, donc L par exemple pour la première compétence. Donc vous voyez, apparemment c'est pas aussi fourni que League of Legends parce qu'on a que trois compétences, voilà, on a la compétence L, la compétence R et la compétence ZR, donc on a que trois compétences, a priori, hein, c'est ce que j'ai cru voir, parce que bon, j'ai quand même passé l'aléa, je voulais faire une vidéo découverte totale, mais j'avais tendance à oublier que bah, quand on découvre un jeu pour la première fois, et ben, on doit se passer par le didacticiel du jeu, ce qui est un peu pompeux, je dois dire. Donc là, je vais essayer de faire de mon mieux sur cette toute première partie en conditions réelles contre des vrais joueurs. Alors, mais le problème, c'est que une partie de MOBA, ça peut durer très longtemps, hein, ça peut durer une demi-heure, quoi. Alors, je sais pas, d'habitude, mes vidéos, c'est du format court, donc je pense pas que vous verrez toute la partie, et d'ailleurs, je sais pas si vous verrez, j'ai activé les options auto-amélioration des compétences et auto-achat des objets pour pas avoir à me prendre la tête, mais voilà, c'est juste pour vous montrer. Alors, là, je me la joue un peu solo, là, non, je vais pas ressortir la blague d'Harrison Ford, c'est bon, vous l'avez déjà entendu, donc voilà, allez, prends ça, voilà, hop, voilà, je l'ai eu, je l'ai pas eu, enfin je sais plus. Donc voilà, maintenir R pour upgrade, et voilà, c'est ZL, voilà, donc on a que 3 compétences, on en a pas 5, on a quand même une passive, mais voilà, donc après il y a marqué hold down to purchase, mais bon, l'achat d'objets est automatique et est activé, donc ça va, ça passe encore. Donc voilà, donc là je suis en train d'attaquer la tour, voilà, alors voilà, donc je vais pas, oula, là c'est la tour qui me... et du coup, comment on fait pour... j'ai un peu oublié, alors, comment on fait pour... Ah oui, je crois que c'est les flèches du... Oui, alors voilà, ah voilà, voilà comment on fait le recall, voilà, c'est la croix directionnelle de la manette Switch. Donc voilà, comme dans tous les MOBA, on peut, si on est mal en point, revenir automatiquement au spawn où l'on récupère toute sa santé. Donc là, on va essayer d'aller en... On va rester en mid lane. Donc le personnage que j'ai pris, donc qui s'appelle Butterfly, c'est un assassin. Enfin, ils disent que c'est un assassin, voilà, guerre, combattant assassin. Donc voilà, mais un petit mélange des deux. Fait un peu penser à Ciri de Witcher, je sais pas pourquoi. Ça va être ses vêtements. Donc là, alors évidemment, on a les sbires, voilà, les mignons. Et on a nos copains et on a nos ennemis. Alors voilà, je suis stunned, donc là, voilà, donc voilà, béaba du MOBA, ne pas attaquer la tour tout seul, hein, il faut escorter les sbires. Oh, ça va, les tours sont moins résistantes que dans League of Legends, quand même, hein. Je pense que les parties doivent se dérouler un peu plus rapidement que dans LoL, mais ouais, voilà, donc, je vous ai passé le didacticiel, la tour, ça fait pas trop mal encore, Alors voilà, alors je connais pas mes compétences, hein, je fais un peu n'importe quoi, là, mais c'est vrai que, voilà, prends ça, voilà, tiens, voilà, je me le suis fait, alors maintenant on va, attention, voilà, bah, ouais, c'est vrai que si on a que 3 compétences, c'est un peu coton, voilà, et qu'est-ce qu'il fait lui, voilà, alors là, je sais pas, alors ZL, voilà, boum, voilà, ultimate, voilà, donc on a que 3 compétences, c'est bien ça, on a 2 compétences de combat et une compétence ultime, donc là, non, on n'a pas de sbire sous la main, donc on peut rien faire, là, on peut faire quelque chose, voilà, on est 2 contre 1, voilà, allez, c'est, il a eu avec son ultimate, non, ça dure, y a quelqu'un qui demande de battre en retraite, et je détruis la tour. Ah non, les tours sont moins résistantes que dans League of Legends, hein, donc on peut maintenir X pour upgrade, voilà, donc j'upgrade. Voilà, attention, non, c'est bon, il y a des tirs, je vais aider mon pote, là.
Ah là, c'est bon, hop, la tour a été détruite également. Non, ça va. Je pense que ça va aller assez vite cette première partie. Je sais pas pourquoi, mais voilà, hop. Voilà, donc j'ai Onslaught. Donc là, je suis pas mort pour l'instant, je suis pas mort. C'est. Alors, je sais pas si j'affronte des IA ou quoi. Bon, je sais pas, moi, je. Ah, non. Non, je. Voilà, je vais ralentir. Oui, je sais que je suis attaqué par la tour, du con. Puis, contrairement à League of Legends aussi, je trouve que les compétences mettent vraiment peu de temps à se recharger, quoi. Même la compétence ultime, je veux dire, au bout de quelques secondes, c'est plié, quoi. Enfin, quelques secondes, j'ai pas, je regarde pas exactement comment ça se déroule, mais voilà, c'est. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait là? Qui fait? Allez, voilà, je suis ralenti. Oh, je crois que je vais me faire tuer, non, c'est bon. Y'a plus qu'à. Alors, L, R et Z, L, hein. Faut que je me fasse un petit peu aux commandes. Voilà, Z, L, voilà. Aïe. Voilà, boum, voilà, c'est bon. Bloodbath. Voilà, donc là je suis vraiment en train de faire un carnage là. D'habitude, je suis vraiment pas doué pour les MOBA. Et voilà, donc là aussi, comme dans les MOBA, on a des créatures de jungle, des grosses créatures de jungle qui nous donnent des bonus quand on les élimine. Donc voilà, alors les super mignons, voilà, voici le Nexus ennemi. Ouais, c'est pas. Non, si. Enfin. Voilà quoi, je fais un peu n'importe quoi là, voilà. Ça se défend quand même. Allez, oh là, oui, ça se défend. Oh là, j'ai presque plus de santé. On a perdu une tour nous aussi. Donc là, je crois que je vais peut-être faire un petit rappel parce que là, je n'ai plus beaucoup de santé. Voilà, c'est bon, on y va. Et voilà, bah. Ah bah, 10 minutes c'est plié quoi, c'est... Je me demande si j'ai... Enfin, voilà quoi, win, voilà, donc on a le MVP. Voilà, on appuie sur A pour continuer, donc voilà, évidemment, c'est un MOBA, donc le jeu est free-to-play, je rappelle, hein, c'est un free-to-play, donc il n'y a rien à payer pour y jouer. C'est comme League of Legends au niveau des personnages, on en a deux de base et on a une rotation des personnages gratuits. Donc voilà, voilà donc l'écran des résultats, voilà, et donc ben je crois qu'on va s'arrêter là. Donc voilà, c'était donc Yugo05 pour une petite vidéo semi-découverte de Arena of Valor sur Nintendo Switch, voilà, un petit MOBA bien sympathique, c'est le seul du genre sur la console de Nintendo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas comme toujours à liker, commenter, partager, merci encore, et à la prochaine, allez, peace, bye, ciao!